Résistance, force armée citoyenne à liberté. Un petit mot à dire. Depuis quelques années, une nouveauté est apparue sur le marché. Pour se chauffer l'hiver, les fameux poêles appelés, soi-disant plus écologiques. Eh bien, encore un beau mensonge. Avez-vous déjà été devant une maison où quelqu'un chauffe au pelé? Vous sentez cette odeur, cette fumée qui sort, qui vous prend la gorge et qui vous pique les yeux. Pire que du feu de bois avec du chêne ou du hêtre ou autre. Et pourquoi? C'est 10 fois plus polluant que de chauffer au bois. Parce que les pellets, à 85%, sont faits avec les bois recyclés. C'est-à-dire tous les bois qui sont jetés dans les déchetteries. Montant de portes, fenêtres, palettes, tout ça. C'est broyé, mis en miettes et reconditionné en pellet, dans lequel on rajoute une résine pour le compacter et le coller. Et après, on va vous dire que c'est plus écologique. Mais on vous prend vraiment pour des pigeons. Ça, c'est encore un marché juteux. C'est du fric. C'est qu'une affaire de fric. Ça n'a rien, rien, rien d'écologique. Tout ce qu'on peut vous dire n'est que du vent. Que du vent, que du vent, que du vent. Ah oui, ça chauffe tout. Je dis pas le contraire. C'est plus pratique, c'est plus léger. N'allez pas vous imaginer que vous avez un chauffage écologique. Il est 10 fois plus polluant que d'avoir un poêle à bois et de brûler du chêne, du hêtre, du charme, du frêne, tout ce que vous voudrez, à part le pin parce que c'est un résineux. Quoique mélangé avec d'autres bois, ça peut aller. Le business vous ferait croire à la lune en plein jour. Et vous, vous mordez à l'hameçon. Réveillez-vous, les dormeurs doivent se réveiller. Regardez, moi je suis réveillé. Il est 3h05 du matin. J'ai un cerveau qui travaille. Il frappe dans ma petite boîte. Il me dit, avertis-les, dis-leur, ne le garde pas pour toi. Éveille le peuple, mon garçon. Alors ben, je le fais. Bonne nuit, les petits. Poum, 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 poum.